Cela peut dire aussi le caractère alphanumérique, utilisé en message rhétorique pour former un visage exprimant à l'émotion. Merci de votre précision. Bonjour, je m'appelle Armand Soda, je suis en 5e. J'ai participé au concours d'édition pour célébrer la journée de la francophonie dans notre école à la loi internationale. Cela veut dire que la représentation virtuelle serait pas à l'internaute par évoluer dans l'univers du jeu en ligne. Merci de votre appréciation. Bonjour. J'ai participé à une cour d'étudiants pour célébrer la journée de la francophonie dans l'école de la loi internationale. J'ai choisi une classe. C'est la première Sylvie qui classe un logicien en sorte de se faire par les filles en cours en télévision. Merci. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en terminale. J'ai participé au concours de Lisbonne pour célébrer la journée de la francophonie dans notre école à l'Europe internationale. J'ai choisi le mot télésnové. Cela veut dire consulter fréquemment un téléphone intelligent en ignorant les personnes physiquement présentes. Merci de votre appréciation. Bonjour, je m'appelle Ferras Mahe. Je suis en terminale. J'ai participé au concours de Limo pour célébrer la journée de la francophonie dans notre école à l'Europe internationale. Je choisis le mot canular. Cela veut dire une fausse informatique propagée par messagerie électronique. Merci de votre appréciation. Bonjour, je m'appelle Armand Soubert. Je suis en terminale. J'ai participé au concours de démo pour célébrer la journée de la francophonie de notre école à l'Europe internationale. J'ai choisi le mot télésnobé. Cela veut dire consulter fréquemment son téléphone en intelligent en ignorant les personnes physiquement présentes. Merci de votre acquisition. Malgré sa maladie et son absence, elle est toujours présente dans nos cœurs. Elle présente aujourd'hui ses salutations les chaleureuses à M. Franck Torres et présente le mémorial à lui. وكذلك نوعا اخر مقدم اسره اللغه الفرنسيه بقسم البنين. Il s'agit d'un sans souvenir présenté à M. Torres de la section de français de notre école de l'Europe internationale. Pour dire simplement merci chaleureusement, M. Torres, d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci encore une fois à tous les invités, dont à la tête, dont le Mahmoud et Farhan. C'était mon devoir et mon plaisir de venir assister à cette cérémonie tellement bien organisée. D'accord, merci, vous très bien. Deuxièmement, que pensez-vous de cette cérémonie et cette célébration à notre piste? J'apprécie beaucoup la musique, la joie que je peux sentir ici et je suis très honoré d'avoir été invité à cette belle cérémonie. D'accord, merci. Finalement, moi, j'adore le concert. Mais quelles sont vos orientations pour promouvoir le français en Arabie Saoudite pour tous les autres? Moi, ce que je conseille pour le français, c'est d'abord d'essayer
télé en français, vous avez des chaînes françaises ou des chaînes francophones, donc vous pouvez vous exercer, parce que c'est pas très facile d'entendre le français toujours en Arabie Saoudite. Et puis surtout, je vous conseille de mesurer votre niveau avec les examens DELF que l'ambassade de France essaie de promouvoir dans les écoles françaises. D'accord, merci beaucoup notre professeur Monsieur Tourès et pour votre présence à notre célébration. Et merci aussi pour tout le monde ici. Et applaudissements, applaudissements.